Deuxième match de la journée entre Saint-Trond et le Standard de Liège. Deux voisins, hein, j'ai envie de dire presque un derby entre Saint-Trond et le Standard. Deux équipes qui étaient un petit peu à la ramasse, en retard en ce début de championnat. Mais le Standard, petit à petit, remonte après surtout avoir gagné le Classico face à Anderlecht et Zach Bentato. Ja, ik vind het wel een goede opmerking van Arsène, want je zou inderdaad geografisch gezien bijna van een derby kunnen spreken. Ook al zeggen ze soms in onze media van de Waalse derby tussen Charleroi en Standard, terwijl die steden verder van elkaar liggen dan Sint-Truiden en Standard. Snelle Jelle vertegenwoordigt Sint-Truiden, Shadow vertegenwoordigt Standard. En we hebben twee spelers, twee ploegen die niet in de top 4 staan momenteel. Ja, pour l'instant, ils ne sont pas encore dans le top 4 et on voit que petit à petit, Quentin Van de Wattin essaye de remonter un petit peu au classement. Il a commencé vraiment le championnat de manière très difficile. Par contre, de l'autre côté, Snelle Jelle qui a vraiment quelques difficultés après avoir pris son premier point lors de la première journée. On sent que de plus en plus, ça devient difficile. Et là, tout simplement, ben, il rentre dans le bain, dans un championnat difficile, dans une poule difficile avec de très gros joueurs. Il les enchaîne et pour lui, ben, il prend tout simplement de l'expérience. Ja, en met het resultaat van daarnet tussen Anderlecht en KV Mechelen weet Shadow wat hij moet doen. Gelijkspelen betekent dat hij uit de top 4 blijft. Hij moet dus met andere woorden winnen en de 3 punten pakken tegen Snelle Jelle. Wil hij dus opnieuw in die top 4 terechtkomen. Snelle Jelle wil natuurlijk ook graag een 3-punter boeken, want dat betekent dat hij dan aansluiting vindt bijna bij de top 4. Ja, presque. Hein. Ça serait bien pour lui en tout cas qu'il essaye de prendre des points là aussi face au Standard. Essayer de s'affirmer un petit peu plus parce qu'on sait que c'est un garçon qui a énormément de talent. Il se procure pas mal d'occasions durant ses matchs et malheureusement, il manque cette finition. Mais ça, on peut encore parler du fait que c'est tout simplement encore un rookie dans la compétition. We zijn eraan begonnen aan de wedstrijd met meteen balverlies voor Sint-Truiden. En dus Shadow dat kan proberen, of die kan proberen om aan een nieuwe aanval te breien. Capdevila, Ronaldo. De Donker onderschepte, dan is het eigenlijk een beetje zoeken of we al meteen nieuwe namen te zien krijgen. Atal staat erop bij Sint-Truiden en het lijkt erop dat de Ketelaren ook op de linker winger positie staat. Dus de nieuwe namen meteen bij Sint-Truiden. Ja, on voit que lui aussi a opté pour Charles de Ketelaar ainsi que Youssef Atal dans son 11 titulaire lors de cette entame de match. On rappelle là aussi une petite précision que Charles de Ketelaar a deux cartes différentes. Hein. L'une où il a... Attendez, d'abord, je vais commenter cette action avec la récupération d'Ivan Perisic ici qui va la donner en profondeur et belle défense de Saint-Trond. Donc je disais par rapport à Charles de Ketelaar qui a deux cartes différentes. Une avec 5 étoiles gestes techniques et l'autre avec 5 étoiles mauvais pieds. Donc selon la préférence des uns et des autres... Ceux-ci choisissent ce qu'ils préfèrent par rapport à leur qualité. Ja, de meeste spelers kiezen dus voor de Charles de Ketelaar 5-star skills, wat eigenlijk vrij logisch is. Maar Snelle Jelle is een van de uitzonderingen. Die kiest voor de kaart van Charles de Ketelaar. Hij heeft er twee verschillende waar hij 5-star weak foot heeft. Dus opmerkelijke keuze toch wel van Snelle Jelle. Ja, c'est étonnant. Donc peut-être que lui, il est plus dans la finition, parce que justement, c'est ce qui lui manque hein, dans cette entame de championnat. Il manque un petit peu de finition et il se dit que Charles de Ketelaar, avec le weak foot, pourra bien l'aider dans des occasions propices. Ja, en ik hoor het mijn collega Thijs al zeggen. Skills to pay the bills. Als je 5-star skills kan hebben, dan moet je die natuurlijk proberen benutten. Ondertussen zitten we bij Capdevila, de voorzitter uitgehaald door Atal. En zo krijgen we na bijna 14 minuten voetballen een corner voor de Rouges. Ronaldinho qui déborde bien ici. Attention, le centre au deuxième poteau. Ouh là là, ça a failli bien passer ici avec Kalidou Koulibaly. Mais c'est sans compter sur la belle défense de Trudenez, hein, ici là, de Snelle Jelle. Het uitvoetballen verloopt dan net iets minder. Perisic dan voetbalt met Yaya Touré. Die is die bal kwijt. En dan is Ronaldo er alleen vandoor. Ronaldo alleen op de goal of niet? Koulibaly probeert nog te sprinten. Ronaldo! Nee, de save van Courtois. En dit was even schrikken voor Standard, hoor. Ah, c'est dommage. C'est ce qu'on lui reproche à Snelle Jelle. Il a la capacité de se procurer de belles occasions, j'ai envie de dire. Mais malheureusement, il bute souvent sur le gardien. Attention surtout à la contre-attaque ici, là, qui a failli se terminer en coup de pugilat de la part du Standard ici. En bijna was Shadow op zijn beurt gevaarlijk. Hier is nu Ronaldo iets wat mindere controle. Meunier kan uitvoetballen met de Ketelaren. Die er dus ook op staat aan de zijde van Standard. Capdevila nu zoekt de connectie op met de Ketelaren. Pas tussendoor en de Donker met dat kattenpootje ertussen. En dat was absoluut nodig. Oh ja.
il a bien intercepté ce ballon. Attention, peut-être ici le départ en profondeur de Ronaldo. Non, Pelé se ravise et change complètement d'aile sur Capdevila. Capdevila qui revient dans le milieu de terrain avec De Bruyne, Ronaldo, qui la donne ici à Charles de Ketelaar. Attention, va-t-il faire la différence, Charles de Ketelaar? Le centre, le but! Le but de Ronaldo et de Sneijder! Voilà pourquoi il voulait avoir Charles de Ketelaar dans son équipe, qui est en capacité de pouvoir réagir à n'importe quelle situation, j'ai envie de dire, à n'importe quel endroit du terrain. Ja, en dit lijkt de eerste assist van Charles de Ketelaar dit seizoen in de Proximus e-Pro League. Hij bedient Ronaldo op zijn wenken, die dus de netten doet trillen. Het staat na 24 minuten voetballen 1-0 voor Sint-Truiden. Quel entame de match là, encore une fois, Mathias. Hein, on voit que Sneijder a beaucoup de talent, comme je le disais. Hein, et il n'a pas froid aux yeux. Attention, peut-être encore à cette occasion. Ouh, la passe en un temps qui a failli passer ici là. Ja, het snelle denkwerk van Sneijder, maar uiteindelijk toch buitenspel afgevlacht. En dus nu stond daar in de aanval met Ronaldinho. Hier is Ronaldinho, kan eventueel openen. Kies toch voor de paas binnendoor. Nog steeds Ronaldinho, maar tot twee keer toe belet Koulibaly hem de weg naar voren toe. La contre-attaque Trudonaise avec Ronaldo, c'est très bien joué tout ça, c'est très intelligent. Malheureusement, De Bruyne qui n'a pas pris l'avantage sur Salmakers, mais va-t-il l'avoir ici? Non, Salmakers très intelligent qui conserve son ballon et qui change complètement d'aile sur l'international sénégalais Kalidou Koulibaly. De Ketelaar, steekbal en dat is een hele goeie. Daar gaat Ronaldo, maar ook hij staat uiteindelijk buitenspel. Ronaldo qui a failli passer ici là sur l'occasion menée par Saint-Tron. Attention, mais qu'est-ce que c'est joué intelligemment ! Sneijder ! 2-0 pour Saint-Tron face au Standard, mais qu'est-ce qu'il joue bien aujourd'hui ! Mais on sent vraiment qu'il a de l'apprentissage, qu'il apprend de jour en jour, de journée en journée, et ça finit par avoir un bon résultat. Ja, leuk, die twee opuppertjes. Eerst om dus die bal in de rug van de defensie te droppen, en die tweede van Ronaldo om ervoor te zorgen dat Sint-Truiden 2-0 voorstaat. Dit ziet er voorlopig niet goed uit voor Shadow van Standard. Standard qui est pris d'assaut par les attaques Trudonaise qui maîtrise vraiment son sujet pour l'instant, et ça fait plaisir de le voir comme ça. Hein. On le sentait qu'il avait beaucoup de talent, on sentait qu'il avait vraiment beaucoup d'imagination et de lucidité dans ce qu'il faisait, mais ce qui pêchait simplement, c'était sa finition pour le moment. Et là, tout simplement, il nous prouve qu'il a les capacités de rivaliser même avec les plus grands de notre championnat. Ja, nu moet Sneijder proberen om volwassen die 2-0 te behouden, maar natuurlijk licht Shadow op de loer. Er wordt goed verdedigd met Koulibaly. Maar zaak is nu voor Sneijder om naar het einde van die eerste helft toe die 2-0 voorsprong toch te behouden. En die nul, ja, die vervelende nul op het bord te houden voor Shadow. Ja, contre-attaque ici de Ketelaar, côté Standard. Oh, le lob magnifique! Magnifique! Quentin Van de Wattin, mesdames et messieurs. Quel lob! Ça, il faut beaucoup de talent. Une action, un but. En de eerste goal van Charles de Ketelaar in de Proximus e-Pro League. Hij maakt hem voor Standaard. En een prachtgoal. Echt een prachtgoal. En het lukt Sneijder dus niet om die 2-0 te behouden. Il avait fait le break. Il avait fait le break. Attention à ne pas craquer. Parce qu'il a très bien commencé la rencontre. Il était en pleine forme. Il était sûr de ses qualités. Mais c'est sans compter sur la détermination et l'abnégation du Standaard de Liège et de Quentin Van de Wattin. Qui sait vraiment surprendre ses adversaires à n'importe quel moment. Capdevila. Hier is Ronaldo. Wow, bijna weggedraaid. De Bruyne dan met Ito. Er kan misschien nog gedacht worden aan één Truijense aanval of niet. Nee, even temporiseren met Pelé. De Donker dan toch nog de weg naar voren toe zoeken. Ronaldo, bijna dan. En uiteindelijk komt de schepping voor Standaard. We gaan dus rusten met 2-1 tussen Sint-Truiden en Standaard. Très beau match, hein. Très beau match. En tout cas, très belle première mi-temps. On a vu des occasions de part et d'autre. On a vu un très bon Sneijder. On espère qu'il va continuer sur sa lancée, en tout cas en deuxième mi-temps. Là, il prend beaucoup d'initiatives et ça finit par payer pour lui. 2-1. Il faut résister encore face à Shadow, qui est très, très, très difficile. Mais on sent et on voit qu'il a les capacités de pouvoir le faire. Yep. En een streepje muziek tussendoor, tussen de pauze in. Daar houden we wel van. Beetje vibes, hè, Arsène? Beetje vibes. Oui, ça nous donne envie de danser tout ça, ça nous donne envie en tout cas de s'ambiancer, parce qu'en plus de cela, Mathias, on vit un beau match là. C'est un très beau match entre les deux joueurs ici. Et on sait que pour notre plaisir en tout cas. Perisic.
Met Ronaldinho. Origi is erop gekomen in de plaats van Ito bij Sint-Truiden. Benieuwd of dat veel gaat veranderen of niet. De Bruyne. Daar was bijna Origi. Nee, het was Pelé trouwens die bijna de bal kreeg. Nu Ronaldinho voor Standaard. Openen op Salemakers. Goede acceleratie van Salemakers. Doorgaan tot aan die achterlijn. De paas terug. De trap naar de goal. 2-2. Oeh, quel frap de Kevin De Bruyne. Boom. De nette Smeulen nog na. Wat een goal van Kevin De Bruyne. La frappe en Nathan, elle est pure de Kevin De Bruyne. Qui d'autre que lui, de toute façon, aurait pu faire ça mieux. C'est tout simplement le plus grand milieu du jeu pour l'instant. Le plus fort en tout cas. Ja, yeah, he's back in the game, Shadow. Bordjes staan in evenwicht. 2-2. Het is wel heel fijn om te zien. Ook een clash der verschillende icons. Met Pelé aan de ene zijde, Ronaldinho aan de andere zijde. We zien dat heel veel spelers die keuze maken. Ofwel Pelé of dus wel Ronaldinho. Wie zou jij kiezen? Moi, j'aurais choisi, en tout cas, pour être un grand amoureux de Ronaldinho, j'aurais pris Ronaldinho. Ja, ik volg u daarin. Ronaldinho qui est tout simplement unique. Hein. Pelé, je n'en disconviens pas que c'est un très grand joueur. Ils ont peut-être dû centrer ici. Oui, il centre en effet pour Ronaldinho. Attention, le contrôle de Ronaldinho dans la surface de réparation. Le centre. Oh là là. Quel arrêt de Courtois. Quelle anticipation, pardon. Quelle prise de Thibaut Courtois. Absoluut nodig, want dit was een heetstandje voor de goal van Sint-Truiden. Maar dit is een perfecte bal op de Ketelaar. Geen buitenspel. Twee jongens van Sint-Truiden mee in de grote rek. De Ketelaar gaat door het verdedigende werk van Yaya Touré. Ça va dans tous les sens dans ce match, hein. Ça va dans tous les sens. Les deux joueurs essayent de reprendre l'avantage, du moins du côté de Saint-Truiden, essayent de reprendre l'avantage, tandis que du côté du Standard, il essaye de défendre du mieux qu'il peut en tout simplement jouant de ces contre-attaques qui font très mal à chaque fois. Et il y arrive plus ou moins, en tout cas il est bien revenu. Ja, we zien twee spelers die er vol voor aan het gaan zijn voor de drie punten. Af en toe sluipen er wat foutjes in de opbouw, zoals nu bij Standaard. En daardoor kan Sint-Truiden denken aan een aanval. Maar het is een mooie open wedstrijd die alle kanten kan opgaan. We zitten bij de Ketelaren, we zitten bij de Bruyne en Yaya Touré. Strakke paas, maar Koulibaly kan onderscheppen. La contre-attaque de nouveau ici. Ronaldo qui perd son duel face à Leander den Donker. Vraiment, depuis le début du championnat, je ne cesse de le dire, mais Leander den Donker est un vraiment très bon défenseur. Il arrive à contrer les assauts, les attaques, les appels de balles d'un très grand joueur de renom comme Ronaldo, par exemple. 64 minuten aan het voetballen. Inwerpen voor de Roesjes met Capdevila. Zoeken naar een vrijstaand mannetje. De Bruyne wordt gevonden. De man van de 2-2 gelijkmaker voor Standaard. Capdevila opnieuw. Capdevila probeerde Ronaldo te bereiken. Dat feestje gaat niet door. We krijgen een eventuele counter voor Sint-Truiden. Nee, toch niet. Ronaldinho dan met de Ketelaren. En ook dat feestje gaat niet door. Ze essaye en tout cas de passer en essayant d'avoir des contre-favorables. Mais ça devient de plus en plus dur pour Saint-Truiden. On voit que le Standard revient bien dans le match, met un petit peu plus de rythme et un peu plus létal au niveau des actions. On le connaît, hein, Quentin, c'est un joueur qui aime être rapide dans son exécution, pas trop de passes. Il passe vite par le milieu de terrain, ensuite par l'attaque pour faire en 2-3 passes la différence, en tout cas au niveau des occasions, lorsqu'il se les procure. En beide heren proberen te zoeken naar de juiste patronen in aanvallend opzicht. Maar voorlopig wordt er na deze 2-2 goed verdedigd. We zitten al voorbij minuut 70 op dit moment. Op de pauzeknop geduwd door Shadow. Dus even wachten voor aanpassingen tot wanneer de bal buiten is of een fout wordt gemaakt. We zitten nu bij Origi. Steekbal naar Pelé. Maar Koulibaly, wat staat hij heel goed te verdedigen voor Standaard in deze match? Ja, hij defendt très bien. Koulibaly qui est vraiment un très 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 bon défenseur. Qui arrive à chaque fois à bien anticiper et contrer tout le monde, j'ai envie de dire, même si tu as de l'avance sur lui, il faut vraiment faire preuve d'imagination et d'originalité, hein, face à un défenseur comme celui-là, ou bien faire preuve de chance avec le contre favorable de Pelé sur lui. Mais très belle défense de nouveau du Standard et qui justement exulte de colère face à cette occasion là qui vient de se passer. Ronaldo Pelé qui a gagné son duel face à Koulibaly et il continue de pester. Hein.
Rustig blijven, Quentin van de Wattine. Denk aan je hart. Rustig blijven. De wedstrijd is nog niet gespeeld. Je kan nog steeds de 3 punten proberen pakken. Maar het is heel duidelijk. Hè? Quentin van de Wattine, Shadow van Standaar, is niet tevreden met het geleverde spel. Ook al is hij teruggekomen uit een volledig verloren positie. Stond 2-0 achter tegen Snelle Jelle van Sint-Truiden. Is nu teruggekomen tot 2-2. En is nog steeds volop aan het discussiëren. Ah oui, hein, il en discute toujours là. Et il sait qu'il passe peut-être à côté de quelque chose parce que là, il n'atteint toujours pas, pour l'instant en tout cas, les 4 places qualificatives au play-off. Et il se dit qu'avec toute son expérience et qu'il joue face à un rookie, c'est un petit peu une contre-performance pour lui là. Il aimerait prendre les 3 points, on le connaît, c'est un compétiteur, c'est un champion, hein, Quentin van de Wattine, on le rappelle. Oh, leuke kaart. Osimhen is erop gekomen bij Standaard. Daar kijken we zo meteen naar, want hier is Atal nu. De paas! Ronaldinho met het hoofd. En van 2-0 achter komt Shadow 2-3 voor. En dan wijst hij met zijn vingertje naar zijn voorhoofd. Kopje erbij houden. Standaard met de comeback met El Remontada. La Remontada du Standaard. Ici là, avec Ronaldinho qui a mis la tête. Victorieuse pour l'instant, j'ai envie de dire, face à Saint-Tron. Quel match, mesdames et messieurs. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à ce genre de physionomie-là. Mais on aime voir ce genre d'émotion que ça nous procure, en tout cas. Ja, veel emotie in deze wedstrijd. En nu natuurlijk opnieuw tactisch gepoker. Want Shadow is nu afgestapt van die 3-mans-achterhoede. Het pushen nu naar voren toe stopt. Nu gaat hij kiezen voor controlevoetbal. En Snelle Jelle moet natuurlijk naar voren stormen. Nu moet gaan zoeken naar die gelijkmaker op zijn beurt. Hij komt dus op dit moment andermaal in een verloren positie te zitten. En wie had dat eerder in de eerste helft gedacht? Hier de voorzet. En Ronaldinho, al duikend, kopt hij hem binnen. Fantastisch doelpunt. Quel but, Mathias, en effet. Vraiment un très bon but. Et on l'a vu aussi à l'écran, Quentin van de Wattine, qui pointait sa tête pour dire qu'il a le mental. Il a le mental, même s'il est mené, qu'il l'abandonnera jamais, qu'il va toujours, comme un très bon dicton du Real Madrid, hein. Nunca se rinde, el Real Madrid, attention, il y a un pendant, la frappe. La frappe au premier poteau, très bien anticipée de nouveau par les rouges du Standaard. Quel match! Je pense que ce n'est pas fini en tout cas. Nee, maar er zijn countermogelijkheden van Standaard, want hoge pressing van Sint-Truiden, dat creëert ruimte voor Ronaldo. Ronaldo gaat passen naar Osimhen! Quel but! Quel but! Quel contre-attaque! Quelle reprise de Victor Osimhen! Le meilleur joueur de Serie A pour l'instant qui la reprend en attente du gauche ici. Mais regardez-moi cette frappe qui finit juste en dessous de la barre transversale, qui la touche même, j'ai envie de dire. Et le Standard mène désormais 4-2 à la 84e minute alors qu'ils étaient en train de perdre 2-0 après 20 minutes, je pense, hein, ja. Mathias. Ja. Van 2-0 achter naar 2-4 voor. Wat een match dit van Shadow. Atal nu. 85e minuut. Indien Snelle Jelle nu snel 3-4 zou kunnen scoren, kan er nog een slotoffensief komen. Maar hij verliest de bal en nu is het Shadow in de combinatie. 86e minuut, 87e minuut. En de ruimte wordt alleen maar groter. Hier is Victor Osimhen, maker van het vierde doelpunt. Daar komt de voorzet aan de tweede. Paal, maar Courtois komt voor de neus van Ronaldinho. Il arrive à l'anticiper. C'est dommage, hein, pour Snelle Jelle. Snelle Jelle qu'on a vu, attention, peut-être ici l'occasion avec Moses Simon. Moses Simon dans la surface de réparation qui tribe. Oh là là, qu'a-t-il fait? C'était une passe ou un tir, mais je pense qu'il a fait un petit peu des deux. Malheureusement pour lui, ça finit sur le poteau. Einde van de wedstrijd zometeen, want amper 1 minuut extra tijd komt erbij. Dat is te weinig tijd voor Sint-Truiden om van 2-4 nog naar een gelijkspel te knokken. Helaas voor Snelle Jelle, want heeft hij een blitzstart gemaakt in de wedstrijd met 2 mooie goals toch wel. Hij kwam 2-0 voor tegen Standaard. En dan zijn er excuses van Snelle Jelle. Zijn dat excuses naar de fans die proberen mee te kijken? Ik heb geen idee. Hij lijkt wel zeer ontgoocheld in zichzelf, de gamer van Sint-Truiden. Qu'est-ce qu'il est déçu? Il est déçu, le pauvre Snelle Jelle. Je pense que, effectivement, comme tu l'as dit, Mathias, il s'excuse peut-être auprès de ses fans parce qu'il leur a donné un petit peu l'envie d'y croire par rapport à cette victoire. Il la tenait, hein. Il la tenait, il avait réussi à faire le plus dur, c'est-à-dire de faire le break. Mais malheureusement, il s'est fait reprendre par un très grand champion, une personne qui a énormément de mental. On le rappelle, hein, Quentin van de Wattine, qui est souvent dans les derniers carrés de notre championnat, dans les finales et qui même les gagne. C'est ça l'expérience. Dit waren al 2 stevige wedstrijden van Poule 1 met Anderlecht Mechelen 1-1 en Sint-Truiden Standaard nu net op 2-4 geëindigd. Standaard komt dus voorlopig opnieuw piepen in de
top 4 in het virtuele klassement. En het geweld voor poule 1 gaat nog niet stoppen, want de volgende wedstrijd wordt ook een leuke. Encore une fois, le prochain match entre le KA Gent et le Cercle de Bruges.